lui au moins il me comprend <laughs> Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce quasi premier vlog de l'année sur un film sorti en salle en tout cas, parce que le premier film que j'ai fait de l'année c'était un film qui était sur Amazon. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du film Moonfall, que je vous avais annoncé il y a déjà 4 ans, un peu plus de 4 ans même, ça fait depuis 2016 je crois qu'il a annoncé le film. Donc ça fait un bout de temps quand même que le film est annoncé, et je vous l'avais déjà annoncé dans « Mais pourquoi j'ai raison de il en a fait un petit entretemps, il avait fait Midway, euh, mais vraiment, enfin, ça vient un bout de temps que je suis en train de voir ce film. Moonfall est comme son nom l'indique, un film sur la Lune qui se casse la gueule sur la Terre. Et il faut que des astronautes de la NASA essayent de l'en empêcher. Ces astronautes sont joués par Halle Berry, Patrick Wilson. Il y a également un geek qui est joué par John Bradley, qui est le premier à avoir réussi à voir que la Lune était en train de changer d'orbite et se rapprocher de la Terre. <laughs> Comment est-ce que j'aborde <laughs> ce film? Parce que le scénario, ça va être la, le, le, la surprise principale. Il y a le, cette intrigue de base, la lune se, tombe, le, se, se casse la gueule de la Terre, et après il y a toutes les révélations qui peuvent aller ensuite. Euh, les bandes annonces sont allées jusque là, donc je vais peut-être essayer de le dire aussi dans mon résumé. La lune n'avance pas toute seule vers la Terre, il y a quelque chose qui l'aide, et finalement en fait c'est ce truc-là que j'ai trouvé le plus recherché, le plus impressionnant et le plus étonnant en fait, parce que il y a un petit twist sur cette histoire qui est, que tu ne vois pas du tout venir en fait au, au début, et quand tu commences à le voir arriver, tu dis tiens, je n'avais pas du tout vu venir le truc, et après il y a toute une histoire du coup qui est révélée. Par contre. Monsieur Emmerich nous tease une, un deuxième film, une suite à la fin de ce Moonfall, qui est plus ou moins basé sur le même principe que ce qu'il nous avait annoncé à la fin de Independence Day 2. Je crois que Roland a très très envie de lancer son propre Star Trek, et qu'il aimerait beaucoup arriver à faire ce truc-là, peut-être avec Moonfall, du coup, si le film marche. Mais le problème, c'est que le film il est en train de se casser la gueule aux États-Unis, en, en tout cas, il est arrivé seulement second dans la, le, le premier week-end aux États-Unis. En France, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il va s'en sortir puisqu'on n'a pas le film qui est en face de lui aux États-Unis. Donc peut-être qu'il s'en sortira mieux chez nous. J'aimerais bien savoir comment il fera à l'international. J'aimerais bien que Roland Emmerich fasse à nouveau un bon score en salle et il le mérite. Vous avez vu ma réaction au début du film C'est du Roland Emmerich à 200 Si vous avez déjà aimé un film de Roland Emmerich dans votre vie, surtout si c'est 2012 par exemple ou euh, le jour d'après, il y a de très fortes chances que vous passiez un très bon moment devant Moonfall. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film. C'est du, du vrai bon divertissement aux petits oignons par un mec qui sait exactement comment est-ce qu'il faut le faire, comment est-ce qu'il faut écrire le scénario. Le scénario ne s'arrête jamais. Il n'y jamais une scène où tu te fais chier, a jamais une scène qui dure trop longtemps, etc. Ça enchaîne exactement comme il faut. Tu des événements qui sortent de partout, tu des trucs très surprenants qui débarquent. Tu passes d'une course-poursuite dans une scène à euh, scène suivante dans un lobby d'hôtel qui est en train de se faire envahir par la flotte à cause d'une gigantesque vague provoquée par l'approche de la lune et du coup t'as un vrai truc de studio où ils ont déversé des litres d'eau pour que les mecs se fassent balinguer sur les murs etc. toutes ces scènes-là elles ont énormément de gueule quoi elles marchent extrêmement bien elles te vendent toutes parfaitement l'action t'as des grosses scènes d'action qui te mettent vraiment des frissons dans le dos quand tu les vois arriver je, je, je vous jure des scènes que j'avais déjà vues dans les bandes annonces pourtant qui étaient déjà annoncées dans le truc mais quand tu les vois arriver devant toi ça peut rien te faire d'autre qu'un énorme frisson quoi c'est il y a un plan sur New York dont je vous parlerai pas mais le grandiose de ce plan, c'est absolument magnifique. L'histoire de Blockbuster avec euh, Blockbuster Concept, on va dire, c'est l'idée, c'est de trouver une idée un peu farfelue et d'essayer de, de la pousser à fond. Euh, le Blockbuster, donc, marche extrêmement bien, délivre absolument tout ce qu'il doit délivrer. Le scénario se renouvelle à chaque fois. Il y a des enjeux euh, assez importants. Il y a des, euh, des difficultés assez euh, énormes, <laughs> évidemment, avec Roland Emmerich, à euh, dépasser, du coup, sur le chemin de nos, nos divers personnages. Comme d'habitude, avec Roland Emmerich, il y a un casting extrêmement vaste et varié qui se situe un petit peu partout sur la Terre. Alors pas autant que ça aurait pu le faire dans d'autres films. Là, on est quand même vachement américain, je trouve. Mais on a quand même un point de vue un peu plus international, qui s'intéresse pas uniquement au point de vue de, 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 des États-Unis. Le casting est extrêmement divers. Ça va du plus jeune au plus vieux pour que tout le monde puisse trouver quelqu'un à qui s'identifier. Avec tout un tas de petits euh, trucs très bien trouvés au niveau de l'écriture pour essayer de rendre les personnages attachants, de les rendre sympathiques. On démarre le film avec euh, euh, Patrick Wilson qui s'appelle qui Brian dans le film, qui est en train de décider de chanter une chanson et euh, il n'a il il a pas compris les paroles et du coup et il la chante n'importe comment et avec le, le, le pas juste quoi et donc du coup ça fait une scène qui est assez un petit un petit peu ridicule ce qui le rend un petit peu comique un petit peu attachant du coup et évidemment ensuite tout le reste va se développer va se développer il y a le geek qui a un chat je vous dis... je vous explique pas le nom du chat mais vous allez le voir devant le film mais il c'est le meilleur nom qu'on pourrait trouver à un chat pour un personnage comme ça enfin, je crois que ça marchait super bien comme j'avais expliqué dans Pourquoi J'ai raison de sur OnlineRidge, que je vous invite évidemment à regarder, il y a un petit lien qui sera par ici. C'est un mec qui est extrêmement efficace en plus pour raconter les choses visuellement, qui sait très bien utiliser la caméra et faire les plans qu'il faut pour raconter son histoire. Notamment, tu fais un plan sur le véhicule du geek qui débarque dans le film. Le mec, il arrive au boulot, tu vois son van qui se gare et t'as un plan juste sur le pot d'échappement et tu vois tous les stickers avec des têtes d'aliens et des trucs dans ce genre là sur le truc tu comprends immédiatement quel genre de mec c'est quoi, c'est même si ensuite tu sais que ça va l'être dans le reste du film, il va raconter les choses par rapport à ça, mais je veux dire, on l'a mis en place en un plan, un peu comme le président euh, dans le... dans euh, C'était lequel C'était 2012, qui était présenté juste en un plan quand il arrivait dans le film, tu voyais immédiatement avec juste son arrivée dans le cadre, comment est-ce qu'il prend le cadre, son, sa façon d'entrer la lumière, sa première phrase, etc. Tu voyais exactement quel genre de personnage c'était, et il, il utilise du coup cette maestria-là dans ce film-là, et ça marche à nouveau très très bien. C'est filmé Exactement comme il faut, les plans extrêmement larges, beaucoup de grands angles pour vraiment faire sentir absolument toute la démesure de ce qui se passe. Ça a vraiment énormément de gueule, c'est parfait. C'est exactement, exactement ce que j'avais envie de voir et c'est exactement ce que le film avait promis et c'est ce qu'il délivre de, de, à 100%. Si j'avais quelques petits reproches à faire quand même euh, au niveau de l'image, avant de passer à, à la photographie elle-même tu sens que le contraste a été un petit peu augmenté de façon très légèrement violente <laughs> sur quelques séquences et j'ai un peu l'impression que c'est pour camoufler un problème dans la qualité des scènes d'effets de, spéciaux. Alors les trois quarts, 75-80% des scènes en CGI du film sont avec des, des graphismes fait par ordinateur sont parfaites, mais j'admets qu'il y en a un petit quart, <laughs> des petits quarts qui par moment tu te dis ah! ⁇ est-ce qu'on essayait pas un peu de camoufler quelque chose en, en, avoir, en ayant mis cet effet aussi contrasté qu'il l'est en ce moment, euh, et en le mettant de nuit par exemple, et de le mettre de jour C'est ce qu'il pourrait faire un truc différent. Sur un ou deux tout petits plans, vraiment un ou deux, hein, c'est pas du tout un truc général, mais il y a un ou deux tout petits plans où tu dis Ah tiens là ça a été un petit peu rapide. Je, euh, par exemple, un plan sur le décollage de la fusée qui va essayer de récupérer des informations sur la lune qui est en train de tomber sur nous, tu vois du coup le plan large de la fusée qui décolle et tu dis oh, Ça a l'air Résolu basse résolution flou tu vois qu'on a, a foutu des, des fausses scanlines vous savez les, les fausses lignes de téléviseur euh, au dessus de l'image pour essayer de camoufler un petit peu le truc mais tu sens que c'était pas très très bien rendu et que c'était pas la meilleure qualité du monde donc voilà j'admets qu'il y a un petit effet spécial par ci par là bon en même temps c'est un film de deux heures d'effets spéciaux il y en a bien un ou deux qui vont avoir du mal mais c'est vrai qu'il y a un ou deux petits plans où je me suis dit tiens là c'est particulier et un autre petit truc c'est que J'adore Roland Emmerich, j'adore son style, je comprends complètement son, sa façon de réaliser les films, et notamment ses désirs de réalisateur, notamment son envie de ne pas tourner dans des décors réels. Il déteste les décors réels, c'est chiant pour lui, il, il aime pas, c'est beaucoup moins facile à contrôler, c'est beaucoup... C'est le bordel quand tu fais des scènes absolument énormes d'un truc de blockbuster et que tu dois aller dans des décors réels. Il y a tout un tas de trucs qu'il faut prendre en compte au niveau de la sécurité, au niveau de ce que tu peux peu ou ne peux pas faire avec des lieux, un, un truc public, etc. Et notamment au niveau de la lumière. Et du coup, maintenant, il fait tout en studio. Et ça fait quelques films qui a un ou deux plans où tu dis, mec, là, ça se voit que c'est du studio. Et je vous admets que là, tu vois l'entrée de l'immeuble, par exemple, l'entrée le, de l'hôtel, pardon, l'entrée de l'hôtel euh, qui se fait euh, renverser par la vague. Tu vois le truc, tu fais « Dis donc, c'est marrant, le, le, le cadre, il est vraiment bloqué pile-poil sur le mur de l'hôtel, t'as rien qui débarque à côté, et juste avant, le plan large sur l'hôtel, il avait l'air un tout petit peu fait un effet spécial. » Il y a un plan, vraiment, où je me suis dit ça. Le reste du film, ça passe. C'est une légère uncannivalie, mais vraiment très très léger. Mais il y a vraiment un plan où ça se voit. C'est le matin, quand il part euh, de chez lui pour aller au boulot, tu vois que son, sa maison a été intégralement construite en studio sur fond bleu, et tu vois les légères lignes du fond bleu, parfois sur certains petits contours de personnages, et trucs dans ce genre-là, donc... Tu te dis, ah, oh, pour le coup, si c'est pour se retrouver avec ce résultat-là, t'aurais peut-être quand même pu aller tourner ça dans un, un vrai décor au moins une fois, quoi. Mais en général, grandiose, des mesures, enfin, les habituels des plans de Roland Emmerich, des plans extrêmement larges, grand que je l'ai déjà dit il y a quelques secondes. Voilà, vous avez compris, les plans sont magnifiques. Niveau photographie, alors, ce, ce petit truc que j'ai dit sur le contraste des effets spéciaux, peut-être que ça a une raison d'être là, parce que c'est vrai que la photographie du film est vachement différente de ce que fait Roland Emmerich d'habitude. Roland Emmerich, d'habitude, il a une lumière qui est beaucoup plus. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas des lumières qui sont. Euh, Trop artificiel, trop rehaussé, mais tu sens que c'est la lumière bien vive pour que tu vois ce qu'il y a à l'écran, etc. Et là, en fait, il y a plusieurs plans, notamment les plans qui se passent sur Terre, qui sont un peu plus, du coup, euh, qui essaient d'être un peu plus réalistes, un peu plus viscéraux. Et du coup, il y a une photographie qui est beaucoup moins colorée et beaucoup moins claire que ce que ne peut être la photographie habituelle de Roland Emmerich. Il y a beaucoup plus de jeux sur euh, les scènes de pénombre. Euh, des endroits qui restent vraiment dans l'obscurité par, par, par endroit euh, Donc, c'est vrai que c'est pas une photographie qu'on a l'habitude de voir chez Emmerich. Il y a quelques parties qui l'ont, notamment toute la partie qui concerne la Lune, et ce qui concerne peut-être un peu plus généralement la technologie, mais non, mais je crois que même les trucs de la NASA sont pas très bien éclairés. Donc, en fait, vraiment, à part quand on est sur la Lune et dans l'espace en général, la lumière est pas aussi vive que dans le, le, le style habituel de Roland Emmerich. Et donc, tu sens un petit truc un peu différent au niveau de l'image. Tu as l'impression que son film est un peu plus terre à terre, un peu plus grave. Tu... Vraiment, comme quoi l'étalonnage, ça change beaucoup de choses hein, dans un truc. Et c'est vrai que c'est pas si habituel que ça à voir dans un rôle en Mais en général, la photographie est extrêmement bien faite et s'accorde parfaitement avec le cadre. Et euh, le film est aussi assez drôle. Euh, le personnage de Comic Relief, c'est celui, euh, évidemment, de John Padley, qui est donc le geek, euh, un petit peu gros, un peu complotiste, pas si content complotiste que ça, dans, le, dans les limites du raisonnable au niveau du complotisme, il faut quand même qu'il y ait une véracité scientifique, et le mec a une intelligence qui lui permet de découvrir certaines choses. C'est pas juste du oui-dire et du complot de base, quoi, euh, ce, qui vient de nulle part. Mais, euh, c'est vrai que c'est un petit peu ce, ce genre de personnage habituel, mais vraiment je trouve que toutes ces blagues marchent super bien, qu'elles atterrissent parfaitement bien, et honnêtement, une que j'aime beaucoup, c'est un moment où euh, le personnage de Halle Berry demande quelque chose au personnage de Prat Patrick Wilson, et euh, il est en train d'hésiter, et donc dans le plan, t'as juste Patrick Wilson qui est cadré en face, Trois quarts face on va dire, euh, et puis en face de lui t'as le dos du coup de la tête de Halle Berry qui est sur le bord du cadre, vraiment au bord du cadre ça cache absolument tout. Et ce... juste au moment où il lui donne la réplique, t'as le visage qui débarque dans le cadre et qui fait « Vas-y fais-le » et qui repart immédiatement du cadre. Et en fait ce, ce côté « je viens et je débarque » ça fait vraiment la petite blague qui marche super bien en fait, au milieu de la conversation. Et donc c'est un film qui marche à 200%, quoi. le scénario marche bien, les personnages marchent bien, l'action marche bien, l'humour marche bien. Ah, c'est un, même le lore marche bien. Ah, vraiment, c'est, tu, tu sors de la salle, t'allumes ta cigarette et tu fais, c'était aussi bien pour toi que ça l'était pour moi. Ah, c'est vraiment, c'était parfait, quoi. C'était magnifique. C'était exactement ce que je voulais. C'était génial. Un truc qui m'a un petit peu surpris. Et en fait, j'ai l'impression, je peut-être que je revois un petit peu en arrière certains de ces films. Mais il y a un, quasi un thème qui est traité dans ce film. Au-delà de l'écologie ou un truc dans ce genre-là, quoi, au thème de l'écoute, par exemple, dans Godzilla, il y a un thème de la paternité, de la transmission, finalement, dans ce film, dans absolument tous les domaines, avec tous les personnages. Les deux personnages principaux, évidemment, Halle Berry et Patrick Wilson, ont chacun des enfants respectifs. Euh, mais vraiment, il y a une notion de transmission et de. Bon, bref, <laughs> je vais pas aller trop loin, sinon je vais, je vais griller le truc, mais. Cela dit, le côté père célibataire qui essaye de retrouver son gamin, etc. C'est un truc très classique du, euh, du film catastrophe. Mais dans celui-ci, il y a vraiment un truc où c'est pas juste sur le personnage du père et son enfant. D'habitude, c'est un des sous-scénarios, une des sous-intrigues du truc. Il y a un père ou une, ou une mère qui va essayer de sauver son, son fils ou sa fille. Pour le coup, dans celui-là, c'est un thème filé. Ça revient chez tous les personnages, dans tous les groupes. Il y a toujours une histoire quelque part d'héritage et de transmission, etc., etc. Euh, bon peut-être pas tous les groupes, je crois qu'il y avoir un groupe de méchants à un moment dans le film qui est pas concerné par le truc vraiment mais quoique quelque part il récupère un truc, il vole, il détourne, il y a un côté transmission dans un mauvais sens enfin bon bref. J'ai l'impression qu'il y a un thème en plus dans ce film là quoi. Donc c'est en plus un thème, en plus il y a une il y a, il y a une, une idée, une métaphore qui est un peu filée. Bon voilà, j'ai pas besoin de passer beaucoup plus de temps dessus. Vous avez compris ne serait-ce qu'avec l'intro et les petits cris de 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 celle que j'ai poussé. J'ai passé un excellent moment. Devant Moonfall, c'était un bonheur. C'est ma première séance en salle depuis le début de l'année, et c'était un bonheur de retourner en salle pour ça. Je suis plus fâché contre la salle de cinéma que contre le film parce que ils l'ont foutu dans la plus une des plus petites salles du truc. Le son n'était pas du tout poussé au max. Si ce film avait pu passer dans la salle Dolby Atmos de la salle, de, enfin de mon cinéma, je me serais, ça aurait été parfait. Euh, malheureusement, c'était une des plus petites salles du truc. Tu te dis putain, vous avez un blockbuster dans je vous le mettez dans une petite salle, mais vous êtes débile <laughs> ou bon, quoi bref, voilà, j'ai eu un problème avec ma salle de cinéma plutôt. Mais le film, il m'a absolument offert tout ce que je voulais avoir, et plus encore. Donc, euh, c'était un excellent moment pour moi, et j'espère que ce sera un excellent moment pour vous. Je vous encourage très chaleureusement à aller voir Moonfall. Roland Emmerich. Ich dich. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao